gérer son stress, comment s'épanouir harmonieusement. Différentes techniques existent et parmi elles, il y a la kinésiologie. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Alors Anne, on va peut-être commencer par définir ce terme. Alors, la kinésiologie, c'est une technique qui repose sur une conception globale de l'individu, l'aspect mental, physique, spirituel, émotionnel. Et donc, très schématiquement, le kinésiologue part du principe que si une partie de ce tout dysfonctionne, eh bien, c'est l'intégralité qui dysfonctionne. Et donc, son rôle, c'est de déterminer l'origine et les causes de ce dysfonctionnement, de ces blocages, afin de permettre à l'individu de poursuivre sa route de façon la plus harmonieuse possible. En levant ce blocage. Alors, ça veut dire que le kinésiologue, il pose un diagnostic? Il ne pose pas de diagnostic médical. On dirait plutôt que c'est un facilitateur, disons une façon de se sentir mieux. Alors la kinésiologie, elle est apparue dans les années 60 aux États-Unis. Depuis, on peut dire qu'elle s'est véritablement diversifiée. Il existe de nombreuses tendances et courants. Bon, c'est un peu trop long et fastidieux de les déterminer, de les définir tous ici. Mais ce que l'on peut dire de façon schématique, encore une fois, c'est que le kinésiologue, il se pose une question, il s'interroge et il interroge le corps. Et pour permettre cette interrogation, il pratique ce que l'on appelle un test musculaire, qui est un test indolore, je vous rassure, qui se pratique généralement au niveau des poignets et des bras. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais on va entrer dans le concret avec ce reportage de Sabrine Zorman. Elle a suivi un monsieur qui désire arrêter de fumer et qui va donc consulter une kinésiologue, Oriane Corman, qui est une kinésiologue qui a développé sa propre école de psychokinésiologie. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben, très bien, merci. Bien, je te propose de t'installer. Oui. Voilà, voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui Je fume assez bien, je fume beaucoup même, 2 paquets par jour. Alors, je voudrais évidemment arrêter de fumer. Voilà, mais c'est pas facile, bon. Voilà. En quoi la kinésiologie va l'aider? Eh bien, on va aller trouver les émotions qui sont bloquées depuis très longtemps et qui le poussent à avoir besoin du tabac, de la nicotine pour gérer ce stress. On pourrait envisager l'objectif, c'est je reporte le moment de fumer. Oui, ça pourrait être un bon début. Oui, c'est un bon début. Oui, par exemple, au lieu de fumer dans une demi-heure, tu refumes dans 1 heure et demie. Quelles sont les techniques que vous allez employer? Ah, mais d'abord, je vais écouter. Je vais voir avec lui son objectif. Puis je vais aller voir ce qui se passe, ce qui l'amène à avoir cette tendance compulsive et à trouver avec lui et l'aider à l'accompagner à trouver des solutions pour gérer cela. Ensuite, j'ouvre les fibres musculaires. Il tient une pression légère. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu passes une journée sans fumer. Dans ta vie, est-ce que tu te sens blessé? Oui. Oui, pas autant dire. C'est trop fort. On vous sent très touché par ce qui vient de se passer. Oui, parce que bon, ça peut remuer bien des choses que je n'ai pas conscience. Donc il y a des choses qui remuent, quoi. Mais je ne sais pas quoi. Ça. En respirant. J'accompagne les personnes à devenir responsables de leur propre santé, de leur propre état d'être, de leurs émotions et de leur donner les moyens de gérer toutes les émotions auxquelles ils peuvent être confrontés sur une journée. Pourquoi tu fais ça exactement? Parce que je comprends pas. Oui, j'ai pas compris. Ici, tu as une surcharge émotionnelle et le fait de masser ces 3 points, le bas de la colonne vertébrale ici, les 2 points qui sont en lien avec le méridien rein et donc aussi en lien, selon la tradition chinoise, avec toutes les peurs. Et ici, qui vient restimuler ton énergie yin et yang, ça te permet de retrouver des ressources pour gérer le stress. La séance vient de se terminer. Comment vous sentez-vous? Disons que je me sens bien, je me sens plus fort, comme j'ai dit. Et puis on verra. Bon, disons que c'est mon but d'arrêter de fumer. Donc je pars de ce principe-là, d'arrêter définitivement. Donc voilà. Et je suis prêt pour le faire. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
La kinésiologie qui intervient dans quel domaine finalement, Anne? Les troubles de l'anxiété, la fatigue, manque de concentration. Donc certains enfants vont aussi parfois chez des kinésiologues, les troubles relationnels. C'est un peu une théorie d'appoint, une thérapie d'appoint à la médecine traditionnelle. So good.